Je suis vraiment choqué. Je suis vraiment déçu de ce qu'un éleveur m'a raconté. Aujourd'hui, vraiment, l'homme est vraiment méchant. Surtout, la majorité de ceux qui veulent former en élevage sont méchants. De ceux qui veulent aider les gens sont vraiment méchants. Comment on peut espérer qu'un individu qui possède en réalité une bonne formation en qualité de formateur peut dire à quelqu'un d'utiliser un abreuvoir pour 50 poulets sans préciser quel type d'abreuvoir il doit utiliser? Oh mes amis, arrêtez de faire ça. Vous vous montrez comme des professionnels. Arrêtez de faire ça. Vous savez, si ici tu es un formateur, si tu es un éleveur, tu veux être un futur éleveur, alors tu es invité à suivre la vidéo jusqu'à la fin. Je t'affirme que ce que tu vas entendre ici, ça va te décourager de ne plus faire de porte à porte pour te former, pour apprendre des consignes pour aller appliquer dans ton élevage, parce que ceci serait une fatalité pour tes poussins. Vous pensez, ce n'est pas votre argent que vous prenez pour aller acheter les poussins pour venir déposer dans votre ferme. C'est pas ça qui me fait mal. Mais c'est les poussins, les êtres vivants. Les poussins, pardonnez. Ils sont quittés loin. Ils veulent vivre pendant 45 jours avant d'être abattus. Ils ne doivent pas être maltraités. Ils ne doivent pas être à soif de quelque chose. Surveillez-les bien. Arrêtez de faire ça. Vous savez, j'ai été dans la ferme d'un monsieur. Ce soir, je dis bien ce soir, il m'a plusieurs fois demandé de venir. Et moi, je lui ai demandé de me verser une compensation avant que je ne parte. J'étais habillé ici. Et au départ, il ne voulait pas. Mais deux fois, trois fois, après avoir fini d'écouter mes vidéos, il a accepté de verser ma compensation. Et je me suis déplacé pour aller dans sa ferme. Et quand je suis allé dans sa ferme, il m'a montré des poulets de deux mois. Quand il m'a dit ce sont les poulets, je lui ai dit non, c'est pas ceux-là qu'on appelle les poulets, on les appelle les poussins. Il dit non, les poulets de chair, les poussins de chair, quand ils ont 45 jours, on les appelle poulets. Mais pour lui, ils ont déjà dépassé 45 jours. Ils ont deux mois, ça veut dire 60 jours. Ça veut dire même là, ils sont poulets jusqu'à fatiguer. Et moi, je les appelais les poussins. Pourquoi? Manque de croissance. Ils sont encore comme les cailles, comme des pigeons. Petit, petit. Je lui demande, mais qu'est-ce qui ne va pas? Et il me dit, non, il ne comprend pas. Est-ce qu'il n'y a pas une maladie dans la ferme? Je lui ai dit, non. À ma grande surprise, je sais, il est à 760 poulets de chair. Je dis bien 760 poulets de chair. Quand même, c'est énorme. J'essaie de regarder et à ma grande surprise, je vois des abreuvoirs de caille. Les abreuvoirs de 1 litre, 1 litre. Je dis, mais tu lèves caille ici ou bien c'est pour les poulets? Il me dit, non, c'est pour les poulets. Je dis, mais qui t'a demandé d'utiliser ces genres d'abreuvoirs pour tes poulets? Il me dit, non. Lui, il a regardé des vidéos sur YouTube où ils lui ont dit qu'il faut utiliser un abreuvoir pour 50 poussins. Donc, lui, quand il est allé au marché, il a dit abreuvoir. C'est ce qu'ils lui ont donné comme abreuvoir. Lui s'est dit, 50 poussins peuvent utiliser cet abreuvoir. Je lui ai dit, waouh, mais tu as la base de ton échec. C'est toi qui veux tuer tes poussins. C'est toi qui es la maladie. C'est toi-même qui es la pandémie. C'est ce que je lui ai dit. Mais c'est toi qui es la pandémie. Parce que c'est toi qui traites mal les poussins. À quoi ça sert de prendre ton argent, aller voir un bon formateur, te former, demain aller réussir ton business? J'ai dit bien, il était à 760 poulets. 760 poulets, s'il veut vendre, c'est dans l'ordre de 1 million et quelques. Prends 300 000 francs pour bien te former, pour avoir une formation de qualité et gagner cet argent. Il ne voulait pas, mais il a tout perdu
en voulant ne rien donner à quelqu'un. Actuellement, qui va acheter les poussins? Les poulets qui ont manqué de croissance, qui va les acheter? Personne ne les achètera. Donc, il m'a dit, je lui ai dit non, mais on ne peut pas les acheter. Mais il n'y a pas de maladie. Ça dépend de la manière que tu prends soin d'eux. Ça dépend de la manière que tu leur donnes de l'eau à boire. Vous savez, chercher la quantité d'eau que chaque poussin doit consommer par jour jusqu'à ce qu'il arrive, à l'âge de 45 jours. Parce que ça varie au fil du temps. Quand il est poussin d'un jour, il y a la quantité d'eau qu'il consomme par jour. Deux jours, ainsi de suite. Mais on ne vous donne pas de bonnes informations. Vous n'avez que des gens, des traîtres qui sont sur les réseaux sociaux. Sur YouTube, en train de manipuler des documents devant vous-même. Les ordinateurs dont écran, ils font passer. Ils te lisent ce qu'il y a là. Utiliser un abreuvoir pour 50%. Quel type d'abreuvoir? Tu sais pas, il y a abreuvoir de 1 litre. Il y a abreuvoir de 3 litres. Il y a abreuvoir de 5 litres. Il y a abreuvoir de 10 litres. Il faut demander à quel moment il faut utiliser abreuvoir de 2 litres. À quel moment il faut utiliser abreuvoir de 10 litres. Mais c'est ça. Et en fonction de la quantité d'eau que tu dois consommer par jour, en fonction de ça, tu fais ta règle de 3 et tu utilises l'abreuvoir. Si tu vois que ce sont des abreuvoirs de 1 litre, tu peux utiliser. C'est que peut-être il faut utiliser un abreuvoir pour 10% ou bien un abreuvoir de 10 litres pour 5% ou un abreuvoir de 5 litres pour 7%. Il faut d'abord poser la question. Ou bien si c'est abreuvoir de 10 litres, combien d'abreuvoirs il faut utiliser pour 50%? Posez bien la question. Si c'est abreuvoir de 25 litres, si c'est abreuvoir de 10 litres, si c'est abreuvoir de 15 litres, vous ne posez pas les questions. Et ils ne vous précisent pas. Mais moi, je ne vous accuse pas. J'accuse ici les formateurs. Vous formez mal les gens. Arrêtez de venir sur les réseaux sociaux donc divulguer des fausses informations. Pardonnez. Laissez les pauvres gars prendre leur argent pour aller se former. Ils n'ont qu'à se former. Ne jouez pas au dur. Ne vous jouez pas au gentil. Pour dire non, moi, je vais leur donner le secret. C'est un secret. Mais tu as gâché sa vie. Parce que c'était le budget du projet. Actuellement, ces poulets sont là. Aucun grossiste ne veut les acheter. Son argent est tombé dans l'eau. Il est obligé encore de sacrifier le même temps, les mêmes jours, les mêmes années, les mêmes mois pour aller chercher cet argent pour se lancer encore. Pour se former encore avant de se lancer. Parce qu'il ne connaît rien. Tout ça par la faute de qui? Parce que lui-même, il voulait cadeau et parce que on voulait lui faire cadeau. Donc on lui a montré certaines choses sans précision sur les réseaux sociaux. Vous voyez, c'est compliqué. C'est dégueulasse. C'est pas du tout bon. Arrêtez ça. Donc mes chers amis, quand on dit utiliser un abreuvoir pour 50%, précisez c'est quel type d'abreuvoir. Vous-même, vous pouvez, quand on dit un abreuvoir pour 50%, ne demandez pas à quelqu'un, on doit utiliser combien d'abreuvoir pour 50%. Ne demandez pas. Quand on te dit poussin d'un jour, il doit consommer combien de litres d'eau par jour? Poussin d'un jour. Il faut calculer. Tes poussins là, ils sont combien? S'ils sont 1000, tu dois utiliser 100 litres d'eau par jour. Si tu as des abreuvoirs de 10 litres, ça veut dire qu'il faut utiliser 10 abreuvoirs. Si tu as des abreuvoirs de 5 litres, ça veut dire qu'il faut utiliser 20 abreuvoirs. Si tu as des abreuvoirs de 1 litre, c'est que tu sais quel nombre d'abreuvoirs il faut utiliser? Ou bien si tu ne connais pas, paye quelqu'un correctement, tu vas prendre des coups correctement, il va bien te préciser. Dans ce cas, quand tu auras besoin de problème, pour un petit problème, parce que tu as fait ta formation dans sa main, tu peux l'appeler. Il devient un manager pour toi, pour gérer ton projet. Tu l'appelles. Tu dis, ah, j'ai tel problème. Donc, maintenant, il faut m'apprendre. Comment on fait ça là? Comment on fait ça? Mais n'allez pas sur les réseaux sociaux ou bien sur YouTube parce que les gens vous donnent des informations gratuitement, mais ce sont des informations qui sont toxiques, des informations qui vont bloquer vos succès parce que ces gens ils sont dangereux. Ah, c'est ce que moi je peux vous dire. Hein? Voilà, aujourd'hui lui-même là, moi-même je ne lui ai pas raté. Voilà, mais je ne savais même pas qu'il allait m'appeler. Quand je suis venu, il m'a appelé. Ah, mais comment je peux reprendre la formation? Je dis oui, mais si tu as de l'argent, hein, chez moi tu payes la formation parce que c'est le prix à payer pour respecter. C'est le prix à payer pour respecter le peu qu'on doit te dire. Ne dites pas qu'on va vous faire ça cadeau. On doit vous faire ça cadeau. Donc, vous allez réussir. Jamais. Si vous te faites ça cadeau là, tu ne vas pas réussir ton budget. Parce que tu n'as pas payé le prix. Il faut payer le prix pour savoir appliquer.
Si tu ne payes pas le prix de quelque chose, quand ils vont te dire là, tu ne vas pas prendre ça au sérieux. Imagine quand tu arrives chez quelqu'un qui te donne, comment on appelle ça, cuisse de poulet. Tu ne sais même pas s'il a payé. Tu manges, hein? Mais si c'était toi, la manière que tu manges ça, si c'était toi qui as acheté là, tu n'allais pas manger ça comme ça. Sinon, tu te dépasses comme ça. Donc, cher ami, cher frère, chère soeur, et puis chers messieurs et dames, les formations continuent toujours. Ceux qui veulent, la liste est grandement ouverte. Donc, vous pouvez vous enregistrer. Appelez-nous, contactez-nous et puis écrivez sur WhatsApp pour tous ceux qui sont intéressés. Les formations se font ici par via Internet. Et donc, il y a toutes les possibilités pour suivre tes cours à distance. Actuellement, la distance est nulle. La distance ne cause plus de problèmes pour qu'on fasse une formation à distance. Vous savez, il y a des jeunes aujourd'hui, ils ont des doctorats en ligne. Ils ont ils sont devenus des directeurs généraux en ligne. Il est ici, il pilote des projets depuis États-Unis, depuis Asie, depuis en Europe. Donc, c'est possible pour vous. Vous pouvez être partout, piloter vos projets, vous pouvez être partout, étudier ici. Donc, messieurs et dames, massivement, je vous exhorte à venir vous former avec une très grande puissance, avec une bonne qualité. Lancez vos projets et démarrez une bonne fois pour toutes. Merci à vous. N'hésitez pas à vous abonner. Si la vidéo vous a plu, alors likez, partagez-la massivement. Merci.